Salut, salut. Bienvenue sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une application Android comme toujours. Pour ceux qui sont passionnés d'applications mobiles, qui veulent eux aussi découvrir des applications Android qui seront vraiment utiles pour leurs besoins quotidiens, pour leur utilisation quotidienne de leur téléphone, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis. Aujourd'hui, l'application que nous allons découvrir ensemble se nomme Accès à tous les emails. Accès à tous les emails, c'est une application qui est vraiment formidable. Comme vous pouvez le voir ici, le logo, il est ouvert. Voilà, le logo, il est ouvert. Vous pouvez l'avoir sur Play Store et aussi vous pouvez l'avoir dans la communauté parce que toutes les applications que je présente, je les envoie dans la communauté pour vous permettre de télécharger l'application super facilement. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que accès à tous les emails va vous permettre de pouvoir avoir accès à tous vos emails directement dans une application. On le sait tous, c'est vraiment coutume. Lorsqu'on veut vérifier nos boîtes, nos messages sur Gmail, on a besoin de partir sur l'application Gmail pour pouvoir avoir un message, nos mails concernant Gmail. Ou même si c'est Hotmail, on a besoin de changer de serveur pour aller sur Hotmail, sur Yahoo, ainsi de suite. Mais avec cette application-là, elle va déjà vous permettre de pouvoir regrouper toutes ces adresses e-mail directement dans une seule application. Donc vous voyez comment c'est formidable. Vous n'aurez plus à vous fatiguer de changer application par application. Directement sur une application, vous avez toutes vos adresses e-mail et vous allez pouvoir mieux gérer. Voilà. Donc déjà, lorsque vous allez télécharger l'application pour la première fois, on vous dit bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous compter parmi nous. Passons rapidement en revue quelques étapes pour permettre d'optimiser le fonctionnement de l'application. Donc ici, vous allez venir appuyer sur accepter les autorisations. Autoriser. Et ici, on nous dit activer votre fonction d'appel rapide en trois étapes. Vous allez appuyer sur activer. Voilà. La page qui va s'ouvrir là, on va chercher l'application ensemble pour pouvoir cocher. Voilà. On regarde bien, on verra bien l'application quelque part. Voilà, vous voyez que l'application se trouve juste en haut parce que ça commence par A. Donc, on va appuyer dessus et on va accepter les autorisations. Une fois qu'on a accepté les autorisations, on va faire retour. Voilà, on nous dit disposer de l'ensemble de vos différents fournisseurs de courrier électronique en un seul endroit. Sélectionnez les fournisseurs de courrier électronique que vous utilisez. Donc, ici, vous allez venir sélectionner les adresses e-mail que vous utilisez. Vous voulez voir, il y a plus une multitude d'adresses e-mail hein, ou bien une adresse mail. Hein. Vous voyez qu'il y a Gmail, il y a Yahoo, il y a Zoho, il y a Office 365, il y a Outlook, il y a Hotmail, il y a Inbox Mail. Donc, il y en a tellement. Voilà, il y en a tellement de boîtes. Donc, si vous voulez ajouter les boîtes, il suffit tout simplement de sélectionner les cases qui sont juste là. Si vous voulez ajouter Office 365, vous allez cocher la case. Si vous voulez ajouter Outlook juste en bas, vous allez cocher la case. Donc, vous voyez que les cases sont répertoriées par catégorie et tout. Voilà. Donc, on considère qu'on a choisi, par exemple, Gmail, Yahoo, AOL Mail, Zoho, et je vais mettre Outlook par exemple. Une fois que c'est fait, vous allez venir appuyer sur Enregistrer en haut. Et on vous dit utiliser les modèles de courrier électronique présents dans le menu. Et ici, trouver un courrier électronique dans les contacts ou le journal d'appel. Ici, c'est Gmail. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, vous allez venir par exemple sur Gmail. Vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment formidable. Mais quand tu connais, c'est super, super rapide. Voilà, vous voyez que ça ouvre directement la page de Gmail. C'est pareil que si vous venez sur Yahoo, par exemple, vous allez voir que vous allez pouvoir contrôler tous ces réseaux-là directement grâce à grâce à une seule application et tout. Voilà, donc vous voyez que ça sort bien. Hein? Voilà, donc il y en a plusieurs à vous de sélectionner et de pouvoir migrer compte à compte sans vous casser la tête. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao!